nous sommes contents que vous êtes là. Déclaration de député, la députée de Elgin Middlesex London. Merci, j'ai grand plaisir de célébrer le jour des docteurs de l'Ontario qui a été créé en 2011 pour célébrer le travail de 2900 médecins en Ontario, et on a choisi cette date pour marquer la date de naissance de la docteur Margaret Stowe, qui en 1867 a diplômé et a ouvert un bureau à Toronto. À chaque année, il y a beaucoup de patients qui sont traités en Ontario, soit au bureau ou chez les gens. Les médecins d'Ontario font beaucoup pour aider au bien-être de la population. Pour célébrer le jour des docteurs en Ontario, on a invité des élèves élémentaires et aussi des patients avec le message « Qu'est-ce que mon médecin veut dire pour moi ?» On a reçu des centaines d'envois où on remercie aux docteurs le fait qu'ils ont fait pour le médecin. C'est important que la contribution des médecins ne s'est pas limitée aux soins de santé. Chaque médecin contribue l'équivalent de 4 emplois à plein temps et il a 50 000 $ d'imposition fiscale au gouvernement provincial et fédéral. Rejoignez-moi pour féliciter les médecins. Je veux envoyer de bons voeux aux médecins de l'Ontario. Déclaration de député, la députée de Welland. Merci, j'ai grand plaisir aujourd'hui de féliciter le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara du fait qu'ils ont célébré 25 ans de service. Beaucoup de bénévoles ont été reconnus de leur engagement et leur service. Le Centre de santé communautaire est un centre de santé qui a été commencé en 1991. Et c'est seulement en 1991 qu'on a donné beaucoup de soins aux communautés francophones dans la région du Niagara. Sous le leadership de Marcel Castonguay, on a pris une approche au programme, des programmes de prévention en informant et éduquant les gens. Et c'est particulièrement important dans ma circonscription parce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont des aînés. Il est difficile du fait qu'il y a de services limités. Si vous demandez, les gens ont grandi pour être ce qu'il y a aujourd'hui. Marc, Yvan Giroux et Rosaire Lajoie ont été les gens qui ont lancé le centre. J'ai été très content de voir la croissance du centre. Je veux remercier Marcel et beaucoup de bénévoles qui ont joué un rôle indispensable pour donner des soins de santé dans notre collectivité. Déclaration de député. Le député de Bruce Gray on Sound. Merci. En tant que porte-parole des aînés de l'accessibilité, je suis très content au nom de notre chef Brown, Patrick Brown, de reconnaître le fait que le mois mai est le mois de la sensibilisation à lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de discours, et donc on peut traiter avec un orthophone ces problèmes. Et donc ce mois, c'est là où on va traiter les troubles de la communication et d'enlever les obstacles pour les gens qui sont malentendants et d'autres. J'aimerais reconnaître les membres de l'association des pathologues et d'orthophones et leurs efforts pour enlever les barrières à la communication, avancer l'inclusion, avoir d'accès aux gens qui ont des troubles de l'ouïe et pour qu'ils puissent avoir accès à tout, c'est important et c'est une cause importante. Je sais que je suis très content que c'est important d'avoir une détection précoce de l'importance des problèmes de l'ouïe.
Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de député, la députée d'Oshawa. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour, le 1er mai, qui est le jour des travailleurs au Canada. Nous, au Canada, on reconnaît en septembre le jour du travail. Nos syndicats se sont réunis dans nos monuments au centre-ville pour rendre hommage aux travailleurs blessés et morts. C'est pourquoi c'est la première fois où on a eu les drapeaux en berne et je veux remercier le projet de loi de mon collègue, le député de Windsor-Tecumseh, pour que ça soit la loi. Et personne ne devrait souffrir quand ils vont travailler. Ils devraient avoir des travaux moins précaires, peu importe où on travaille. Il faut s'assurer que les travailleurs aient l'équipement de sécurité, la formation et les soutiens de santé mentale dont ils ont besoin. On veut s'assurer que les travailleurs en Ontario soient appuyés. Et on a eu la campagne de Remember, souvenez-vous de Westray, et les employeurs qui mettent en danger leurs employés doivent répondre. Les employeurs qui ont des travailleurs qui meurent au travail doivent être tenus responsables. Il faut que ça soit plus facile pour que les Ontariens soient protégés. Quand ils sont blessés, il faut qu'on dédommage les travailleurs. Il faut remettre la dignité dans notre système de la sécurité professionnelle. Le jour du deuil, c'est seulement important pour chaque travailleur, mais pour toute la société, parce qu'il faut lutter pour les gens qui travaillent. Merci. Déclaration de député. Le député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à ma cravate, mais en particulier le dessin sur ma cravate. C'est le tartan du comté de Perth qui a été dévoilé par le Conseil le 6 avril en célébration du 150e anniversaire du Canada. Ça représente l'héritage écossais du comté de Perth. Et le vert représente l'agriculture, le bleu nos rivières et fleuves, et le jaune, le rouge plutôt, de le sang du sacrifice qui ont défriché cette terre. Je veux remercier l'or et la nature du comté. Je veux remercier les gens qui ont adopté ce tartan, Alan Dodd, Doug Kellen et Bob Williams, des conseillers, et toutes les collectivités. Je sais qu'on va arriver encore à avoir de bonnes journées dans mon comté. Déclaration de député, le député de Lambton-Kent, Middlesex. Merci, je veux reconnaître un événement qui a eu une base annuelle à Lambton-Kent, Middlesex. Qui élève de l'argent pour faire une bonne contribution pour aider les familles qui vivent avec du cancer. À Strathroy, le 23 avril, il y a eu le Casino Royal de Strathroy et avec ma femme, j'étais là. Et c'est un événement où on combine un souper avec des jeux de casino, aussi bien que de la musique. Le Casino Royal de Strathroy a été lancé par un médecin qui a été diagnostiqué avec le GLO, qui luttait contre le cancer et qui comprend bien ce que les gens souffrent. Pendant les années, les gens de Strathroy sont les bienvenus et on sélectionne 10 noms pour recevoir des soutiens. Après toutes les dépenses, de tout l'argent de Casino Strathroyal vont aux patients de cancer. 60 000 $ a été distribué à 10 récipiendaires, même si le compte final pour 2017 n'a pas été fait, mais on espère à ce que le total soit plus élevé. Je suis très reconnu, content de reconnaître le travail du Dr. Tyler Damien, sa famille, beaucoup les gens qui ont généreusement donné pour cet événement qui a eu un grand succès. Merci. Je remercie tous les députés de des déclarations.